L'ordonnance ministérielle relative à la rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 a scrupuleusement été respectée et observée par l'entièreté de la communauté éducative du Cameroun en général et celle de Mbanga en particulier. Et pour prendre le pouls réel de l'atmosphère globale, ce 5 octobre, jour de rentrée pour les tout-petits des classes maternelles et primaires, ainsi que leurs aînés du secondaire, monsieur le sous-préfet et son état-major ont fait le tour complet de tous les établissements scolaires. Partout où ils sont allés, monsieur le sous-préfet a constaté, observé, posé les questions et plus important, instruit et encouragé les uns et les autres à aller de l'avant. Ils ne sont pas aux enfants de faire ceci. On doit laisser ceci. Ils commencent avec le tout. Ils peuvent continuer avec ce travail après le soir. Donc, éviter que les enfants d'abord fassent ce travail. Dans un bureau, il y a beaucoup de choses que tu vas faire, mais il faut beaucoup apprendre. Oui. Ah, vous faites ! Oh là là ! Applaudissez pour vous tous ! Pour être tout ce que... Pour les enfants, ils avaient plus l'air surpris que sereins, même si des encouragements leur ont été apportés par monsieur le sous-préfet qui leur a demandé d'être sur le départ dès le premier jour pour prétendre faire un bon parcours et surtout arriver à bon port à la fin. Compte tenu du contexte sanitaire précaire, les chefs d'établissement ont reçu l'ultime instruction de respecter toutes les mesures barrières pour que vive notre jeunesse et l'éducation en cette année 2020-2021, pendant et même après les cours. Masques faciaux, lavage des mains et distanciation sociale doivent toujours être de mise, car l'infection à COVID-19 est réelle et il faut y faire attention.